Solène est maintenant maman. Well, now I have some money, but... Like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. I like to party. Living my way is arty. All I offer is my reputation. Hey, let's walk this way. J'ai passé la matinée à faire quoi ? De l'ordinateur. Figurez-vous que derrière toutes ces apparences, je travaille un peu. Mais on a la journée qui peut enfin commencer car j'ai répondu aux choses les plus urgentes. Le fait que mon disque dur se balade comme ça, c'est terrifiant. Étant donné qu'il y a tous les rushs dessus de tous les vlogs. Et je ne toucherai pas à mon ordinateur jusqu'à ce que je dois faire le montage de ce soir. Alors on profite pour l'instant et je vous dis du coup... Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un appartement en bordel. Je vais essayer de faire une jolie petite table là. Ce qui se passe là, on va en faire un truc un peu vibe, esthétique. Car j'ai un invité aujourd'hui. Je reçois quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Quelqu'un que vous allez découvrir pour la première fois depuis le début de cette chaîne YouTube. Alors, musique. Regardez, mon chéri, il m'a offert des fleurs pour l'ouverture du pop-up. Merde! Putain, je suis con! Ah, ma plaque! Oh non, ça bip! Arrête de biper! Tu sais, je voulais faire un petit montage vidéo en mode satisfaisant, comme les TikTok des gens qui font des Sunday Reset et qui clean tout leur appartement. Et puis, il y a la cruche de ma fouf! Tu m'angoisses, dis-moi juste ce qu'il y a au lieu de faire bip bip, dis-moi j'aime pas l'eau, ou produit trop lourd, ou je vais prendre feu. Je sais pas, sois plus coopérative. Voilà. Oh, j'ai été raisonnable et responsable. Hein. Ah, arrête de biper. Je suis prête à accueillir mon invité. J'ai envie de bien le recevoir et du coup je sors la belle vaisselle. Parce que comme une daronne, j'ai la vaisselle qui est que pour les invités. Les autres, vous mangez dans les assiettes moches, et mes invités de qualité, ils mangent dans les belles assiettes Dior. Un peu la maison, hein. Je fais ça comme ça, ton invité, il y voit que du feu. Et ben voilà, prêt pour notre invité jamais vu sur cette chaîne. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, bah maintenant, on l'attend. Et vous êtes prêts à avoir quelqu'un que vous n'avez jamais vu sur cette chaîne? Bonjour! Alors voilà, quelqu'un que vous n'avez jamais vu sur cette chaîne YouTube. Franchement. Mais par contre, c'est la première fois depuis cette nouvelle saison que je viens chez toi. Je t'ai sorti la belle vaisselle. Ah oui, t'as sorti celle des grandes occasions, celle que tu ne sors jamais. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il y avait un acheté, un offert sur Uber Eats. En gros, j'allais commander indien et il y avait une offre, un acheté, un offert. Donc j'ai pris deux butter chicken et j'ai appelé mon copain pour qu'on mange ensemble. Ma vie. Il faut célébrer les grandes occasions et un acheté, un offert sur Uber Eats, ça se célèbre. Ça, c'est une grande occasion. Mais c'est bon, la table est belle. Vous allez bien, vous? Comment ça se passe vos vacances? Dites-nous tout. Mais j'attends une réponse. Quoi? Par contre, il y a quelque chose qui risque de gâcher un peu notre journée. C'est le réel nouvel arrivant dans la villa qui va venir tout à l'heure. Solène, elle vient accompagner. Elle vient accompagner de son enfant. Wow. Tu leur as dit déjà? Non, pas encore. Mais mangeons d'abord. Un acheté, un offert. C'est ça que j'ai voulu dire. Un martini. Bon appétit, mon ami. Franchement. Mais des nanas, mais non, mais franchement, des nanas, du pain et de la vache qui rit, c'est la vache qui rit. Il y a quelque chose qui est caché. Vous le savez, nous sommes un trio, Marcus, Léna et Solène. Solène, ça fait un petit bout de temps que vous l'avez pas vraiment vue. Vous savez, elle a un nouveau job, elle travaille chez Hôtel Mafouf, mais c'est pas pour ça que vous la voyez pas. En fait, tous les soirs, elle rentre à Strasbourg, pas pour nous fuir, mais pour aller voir son enfant. Solène est maintenant maman. Pas d'un humain, mais d'un petit cat. Et dans le trio, il y en a 2 sur 3 qui détestent les chats. Un chat, c'est mesquin. Ah, ils sont trop à l'aise. Je comprendrai jamais pourquoi tu prends un chat alors que tu pourrais avoir un chien. On va pas lancer le débat, il y en a qui aiment les chats, il y en a qui aiment les chiens, il y en a qui disent pain au chocolat, il y en a qui disent chocolatine. Et Solène,
C'est un peu la folle au chat. Vous voyez dans les Simpsons. La folle au chat. Et elle a enfin passé le cap. Elle a adopté un petit chaton. Elle en est bleue. Mais folle amoureuse. C'est-à-dire que son chat mange mieux que nous tous. Et puis son rêve, c'est que son chat voit le monde. Elle veut faire voyager. Mais ça va. Je crois qu'il n'y a pas d'entre deux. On n'a pas été des très bons amis sur ça. On n'a pas été très attendris par ce nouveau chat. On l'a vu à Strasbourg en mode oui, bon bah. Ma vie. Bonjour le chat. Sauf qu'aujourd'hui, elle le ramène à Paris. Elle veut le faire voyager. Quoi ? Donc là, vous allez voir. Elle va le ramener son enfant. Et au lieu de lui rentrer dedans, on va essayer d'être des amis. Oui, on va célébrer. On va célébrer Tofi. Ok, dans 2 heures, Solène arrive et on va être des amis exemplaires. Main dans la main. Attends. Et ? T'es grand Marc. Ah mais purée, mais dites-moi, un géant quoi. On va accueillir Tofi. J'ai acheté des langues de chat. T'es bête. Gourmet, 3 étoiles et... Mais tu vois, on l'accueille bien. Ah ça, il va kiffer. J'ai acheté de la litière et j'ai pas acheté le contenant. Vas-y, on prend une boîte. Mais alors là, une litière chic, hein. Mais ça va. Il y a des fesses. Là, je mets un pot de scotch. Ah, ça te dit quelque chose, ça Marc? Oh my god, un trigger, oh my god. Hop, c'est bien ça. Oh, ça me dégoûte. T'imagines, il fait caca à côté. Tiens, petit chat. On a encore des petits trucs à acheter. Outfit du jour, veste blazer, Saint Laurent pendant les soldes. T-shirt, plus égal plus avec l'élastique dans le dos pour faire crop top. Jean, fripe, ceinture, Chanel, vintage, seconde main. Tac, Louis Vuitton, bottes, The Couples, Ballet Village, tote bag, c'est pas parfait mais c'est avec le cœur. Sold out sur le site mais bientôt, j'espère, en stock. Elle a écrit la folle au chat arrive, regardez, mais regardez là. La bête est là dedans. Si vous pensez qu'on en fait un peu trop, ça n'existe pas avec nous déjà. Et on va montrer notre soutien et notre amour à Tofi. Bonjour. Bonjour. Alors, faites des ballons à l'hélium. Ce serait pour les trucs de baby shower. En boy, puisque c'est un garçon. C'est un garçon. Ouais, c'est un petit garçon. Il est un peu poilu, mais ça va. D'accord. T-O-F-E-E. Ah non, il y a qu'un seul E. Bah oui, c'est pas grave. Bah c'est pas son... non, mais je... t'es... Bah au métallique grec, plutôt. Et... pas remixer les prénoms. Un éléphant. Pas un chat. Un lama. Un lama. Mais... ouais, ça a rien à voir. Mais on va le prendre quand même. Exactement ça. Super. Alors j'ai une idée. On va juste prendre le gros thé. On prend le thé. Le lama. Qu'est-ce que je marque? Bienvenue. Évidemment et... ça ne fonctionne pas. De toute façon ça sait pas lire un chat. Mais oui. Mais je vois absolument rien. Bah pourquoi t'as besoin de voir derrière? La route elle est devant. Mais elle est... Attends, on est en avance. Bah ouais. Ah, mais le logo absolument parfait. Ça veut dire quoi? Mais je comprends pas où elle veut en venir. Mais le fait qu'ils disent que le pop-up a un budget moindre par rapport au premier. Mais wesh, on a loué 1000 mètres carrés dans Paris. Le premier il faisait 30 mètres carrés. Il y avait 8 heures de queue, là on fait tout pour pas qu'il y ait la queue. Et les gens ils sont pas contents? Oh ça y est, ça m'a saoulé. Bon après y'en a qui sont contents. Mais c'est pas de ma faute s'il pleut que la terrasse elle est pas utilisée. Bon allez. Oh, je viens de tomber sur un truc horrible. C'est ce que c'est le deepfake? Non. Mais quoi? Ouais, c'est des gens qui font des montages, ils mettent ta tête sur le corps d'une femme nue. C'est horrible. Faut évidemment pas montrer ça, mais ils ont pris un screen du vlog et il y a le reste du corps qui ne m'appartient pas. Il y a tellement de meufs sur internet qui vivent ça. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. C'est horrible. C'est vraiment dégueulasse. Cette journée, je l'aime pas. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un moment où j'ai kiffé sur les réseaux sociaux en tapant mon nom. Ma foi. De bon matin, voir ma tête sur le corps nu. Heureusement que Solène, elle arrive. Elle va nous ramener la légèreté. Ils font quoi les gens qui sont en avance? Bah, je sais pas. T'es chaud, on dort? J'ai adoré ma sieste. Je crois que je suis un peu jalouse d'un chat. La seule chose qu'ils font, c'est dormir, manger et se faire caresser. Que des trucs que j'aime. Elle est où? Il me ressemble. On l'a perdu la pauvre dame. Il a un peu un strabisme, non? Parle pas mal par contre. Hein. Non, non, il est parfaitement bien. Non, mais tu vas l'aimer, hein. T'as pas le choix, de toute façon, il est là. Ça, c'est la plus belle ville du monde. Tu regardes pas au bon endroit, c'est là-bas. Va voir ton temps. Alors, je t'explique pas. Alors, loin de. Alors, Guinness. Mais quoi? Quoi? Voilà, ça, c'est Paris. Allez, on s'attache. Elle le regarde amoureusement. Vas-y, sors-le. Le gars, on a dépensé à tout.
Oh, chouchou, viens voir. Viens, mon amour. Tu crois pas que tu l'aimes plus que lui, il t'aime? Oui, je sais. Je sais que je l'aime trop. Oh, il va aller sous le canapé. Aïe, aïe, bah bon, il est sous le canapé, aïe. Oula, ma déco. Oula, t'es vraiment alsacienne, Solène, hein. Le fait que t'as un sac de bretzel. Il est où? Il est où? Il est là. J'ai vraiment emmené au cas où j'étais bloquée, qu'il y avait un ouragan, que voilà, il est là pour une semaine. T'es contente? Oui, je suis contente. Je suis contente qu'il soit ici. Ce soir, ça va être drôle quand il va venir dormir avec nous. Hein? Hein? Ah! Hein? Aïe! Moi, je dors avec lui. Il va pas dormir dans le lit. Chouchou! Les gens, ils vont vraiment me prendre pour la folle au chat. Oh ma vie! J'adore quand il fait pipi et caca. Ah non, c'est pas. Non, mais c'est qu'il se sent bien, c'est qu'il est à l'aise. Comme moi, quand je suis pas à l'aise, je fais pas pipi chez les gens. Bisous les copains. Bon! C'est l'heure du montage du vlog. Avec Solène, on est en train d'essayer de préparer des activités pour les prochains jours parce que le soleil commence à se lever, on commence à reprendre nos marques, le pop-up roule plutôt bien, le restaurant roule plutôt bien, le site roule plutôt bien. Et on est en mode, ok, ça y est, on peut commencer à s'amuser et à nous aussi être en vacances. Tous nos potes sont partis. On est les trois survivants à Paris. Et on est prêts du coup à s'activer pour trouver des activités. Et vous savez c'est quoi l'univers? C'est qu'on a commencé à trouver des activités, on a essayé de rentrer des petites choses dans l'agenda, on a préparé des petites surprises. Et vous savez ce qui vient de se passer? Le soleil s'est levé. À 18h, le soleil est là. Et il est là pour toute la semaine. Il m'a dit tu passeras ta première semaine d'août compliquée, mais je te mets au challenge. Ça fait 7 ans que tu fais des vidéos. Ton troisième petit pop-up, allez, je vous rends pas la vie si facile. En fait là, c'est le soleil qui nous récompense parce qu'on est en train d'organiser. Par contre, la carte qui passe pas. Ah oui, par contre on se prend des paiements refusés. Bah ouais, mais meuf, on a fait tellement de dépenses pour le pop-up que c'est normal que... Je pense que c'est le plafond qui est mort. J'ai fait beaucoup de dépenses ces derniers jours pour le pop-up pour des raisons évidentes puisqu'on avait 1000 mètres carrés à décorer, à organiser, à préparer et j'ai du coup, j'ai un peu tapé le plafond de chacune de mes cartes bleues. Et tu sais qu'il y a un TikTok d'une meuf qui dit ça se voit que le budget de l'hôtel Mafouf il est moindre par rapport aux autres. Ah. Je crois que c'est pour ça qu'on était de mauvaise humeur tout à l'heure. On l'a vu en même temps avec Marcus, j'étais en mode oh. Mais malgré tous nos efforts à chaque fois, en tout cas pour ceux qui viennent au pop-up et qui nous envoient des messages et qui voient le travail derrière tout ça, et ben je vous remercie fortement parce que ça avait de la valeur sur le travail de toute l'équipe et je suis ravie que ça vous plaise. Et la marque n'a que 1 an et nous n'avons que 25 ans et on est au tout début de tout ce qu'on pourra faire, mais polé polé, douga douga, doucement doucement. Montage. Bienvenue dans un nouveau vlog du... Ok, ben c'est réservé pour demain l'activité. Solène, la première activité. Donc demain on fait ça? Ouais. Ok. Léna est en train de finir le montage. Pour l'instant il y a notre petit repas qui est arrivé. En fait comme on mange des sushis, logiquement mon chat il est toujours là quand je mange. Et toujours je lui donne un petit peu. Et du coup je l'ai perdu. Donc je le cherche, je sais pas où il est. Heureusement Léna elle a son casque. Je pense qu'elle stresserait. Bon, on va le chercher. Chouchou. Tofi. Tofi. Non mais la chose la plus mignonne. Chouchou, mon fils, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis au téléphone avec Igor et Julien qui ont l'air de plus s'amuser que nous. On n'est pas dans un maxi bon mood. On fait pas grand chose de nos journées, ça me rend triste. Alors, déjà, tu n'as pas rien fait. Il faut que tu arrêtes de lire tous ces commentaires tous les jours. Les gens qui kiffent ne parlent pas tous. Les gens qui. C'est vrai. S'expriment. C'est vrai. Du coup, je peux vous passer la caméra, vous leur faites une petite séquence pour le vlog parce que ça a l'air plus fun chez vous que chez nous. Tenez. Bon, on vient de récupérer la caméra des vlogs d'août. Nous sommes actuellement à Cannes. On est dans le palais des festivals. C'est-à-dire que là, on peut faire n'importe quoi dans le palais des festivals. Comme le téléphone, palais des festivals. Apparemment, la légende dit que c'est Georges Clooney qui répond quand on appelle. Ça sonne. Il a dit « What else ?» On va aller voir DJ Snake tout de suite. On va essayer de lui faire un check de coude. Check de coude de DJ Snake dans le prochain plan. Ils ont pas laissé passer. Un peu d'amour comme ça gratuitement. On va faire gagner un César au vlog d'août. Nous sommes en train d'arriver tout simplement dans le palais des festivals. Il suffit de taper dans les mains. Ah, ça a marché. Attends, attends, attends. Prends du recul, prends du recul, prends du recul. Tu
réalises où on est ? On l'a fait. Les amis, bienvenue pour cette nouvelle cérémonie du Festival de Cannes. Nous décernons aujourd'hui la grande frite, la frite de piscine d'or au pop-up Hôtel Mafouf. On te le donne, Léna, à travers l'écran. Bravo pour tout ton investissement, bravo de rendre les gens heureux. Merci de nous faire kiffer cet été. Revenons mon chat. Je suis vénère, franchement ça fait toute la soirée qu'on essaye de trouver mon chat. Toffy ! Viens ici Toffy ! Il vient que la nuit quand je dors. Je pense qu'il préfère quand je ferme ma gueule. Vas-y viens, on va le trouver ton chat. Non. Vraiment le vlog il va s'appeler Il est où le chat ? Il est où ? Non, il est en dessous. Non, il est pas là. Mais meuf ! À Strasbourg, c'est ça que tu fais de tes journées ? Mais non ! Oh, mais... Non ! Non, c'était ouvert là ! Oh non ! C'est ah, une nouvelle pièce là ! Oh non, non, mon dressing ! J'ai peur, j'ai l'impression qu'il va me faire boue ! Mais il doit se foutre de notre gueule en plus, il doit être en mode. On dirait que j'habite dans un 500 mètres carrés, sous le canapé. Ah ! Si, j'ai mis ses yeux qui brillent dans le noir, il m'a fait peur ! Tu comprends maintenant pourquoi on préfère les chiens ou pas ? J'ai une trop grosse tête. Chouchou, mais aime-moi, putain! Chouchou! Mais mon bébé d'amour! Non, mais je te jure, c'est la première fois qu'il est comme ça, non? Oui, il est super à l'aise. Bien sûr! C'est Marc, il l'a choqué, Marc. Voilà! Non, mais les gens, ils vont croire que je traumatise mon chat, je vous jure, je me donne tout mon amour. Il a toujours l'air choqué. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oh, oui, 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 oui! Tu vas découvrir Seb! Seb et les animaux, j'adore! C'est mon green flag préféré chez toi. Oh my god, moi qui suis allergique là, bro. Ah t'es allergique ? Ouais. Bah, arrête de le caresser. Oui mais je les trouve mignons. Non mais j'éternue, c'est rien. Mais c'est trop bien les animaux, c'est les vrais Pokémon. J'ai encore posté un vlog. Bravo, c'était quoi le vlog de Today ? C'est, on a fait une surprise à Marcus. Oh trop bien, je peux voir. Ouais, c'est sur youtube.com. Qu'est-ce qu'il est vite cet appart, putain, mais je suis marrante à faire les apparts des autres et j'amène le mien. Regardez, l'écho. On cherche des activités pour les prochains jours parce que ça y est, on se sent prêt pour l'été. Parce que j'ai fait un tunnel comme je le fais habituellement. C'est quand j'ai plein d'émotions d'un coup et qu'il y en a une sombre et je tombe dedans. Non, là tu t'es mangé un tunnel et du coup là tu te dis merde, faut que je vite je fasse des choses et tout. Non, mais t'as vu un truc qui t'a foutu le mauvais poil et ça te nique ta journée. Ça m'arrive tout le temps. Comment on sort du puits négatif? En fait, tu fais une activité un peu cool. Là, tu te forces pas à faire un truc pour te forcer à faire un truc. Eh, bien joué pour ton nouveau pop-up store. Merci, c'est gentil. Pourquoi il n'y a pas de lumière dans le hall? Ça va? Ah, c'est trop bien de faire la bise en noir. Ouais. C'était une nouvelle expérience. Alex. En mode frontal. Attends. C'est la pendaison de décrémaillère. C'est la fin de la fabuleuse. Ah. C'est notre dernier soir. Après, vous n'entendrez plus parler de nous. Moi j'ai pas de critères, c'est en fonction du feeling, je pourrais tomber amoureux de n'importe qui. Non je te jure, je pourrais tomber amoureux de n'importe qui. Ouais, il est un peu comme ça. J'ai il pas adore de les animaux, physique. Alors il adore les animaux, il est un peu casse-cou. Attachant, attachant. Très attachant, très bon acteur. J'adore cuisiner. J'adore être organisé, faire le ménage. Mais passer une journée avec moi, les gens ils vont être refaits. Mais vous êtes grave frère et soeur. Pourquoi? Mais physiquement, alors excusez-moi mais dans le, là dans la caméra vous êtes les mêmes. Et d'un point de vue personnalité, vous êtes un peu les mêmes. Ah ouais? Bah ouais. Moi je connais pas trop Solène donc. Moi je plie le linge de Léna aussi. Ah ouais? Bah ouais. T'aimes les chats? J'adore les chats, mais tu rigoles ou quoi? J'ai un milliard de chats chez moi. Regarde. À la campagne. Les poils de chat qui restent collés sur le sweat. C'est tellement moi, tout le temps. Du coup, c'est ça, je dors sur le canapé pour parler avec lui. Est-ce que je suis une personne horrible parce que je veux pas que le chat il dorme dans mon lit? Est-ce que tu me trouves horrible de vouloir que ton chat il dorme pas dans mon lit? Non, je trouve déjà que tu fais des efforts, c'est bien. Pourquoi j'ai mon ordinateur dans mon lit? Me regardez pas comme ça. Mais on a encore un peu de travail. Je vous ai dit dans mon podcast que j'ai arrêté de travailler dans mon lit. Oh, c'est bon, les résolutions, on s'en fout.
Ça sert à pas être tenu. Eh, t'as pas écrit un livre de développement personnel, toi? Je considère pas forcément ça comme du travail, mais en même temps comme du kiff. Parce que là, on doit juste se préparer pour un petit événement qu'on a demain pour l'hôtel Mafouf. C'est du kiff, tu vois. Non, oui, je me trouve des excuses. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, que vous regardiez le vlog d'août dès sa sortie ou le matin au petit déjeuner. Quel team êtes-vous? Dites-nous. Team petit déj ou team le soir? Toi, tu regardes les vlogs quand? Bah, quand tu les montes. Bisous! Tu veux faire le check du coude? Ouais, j'ai raté. Attendez, en fait, c'est pas fini le vlog. Elle veut vous faire un autre check du coude. Devinez avec qui? Check du coude! Mais thank you, next. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure.